flammes, j'espère que vous allez bien, c'est Maëlle. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour les flammes jumelles, pour la guidance des masculins pour cette semaine, donc à partir d'aujourd'hui du 17 au 23 février. Je voudrais vraiment d'abord avoir beaucoup de gratitude et vous remercier énormément pour les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne sur cette dernière semaine, parce que ça... Ça monte, ça monte, ça monte, donc tant mieux si mes tirages vous parlent. Merci beaucoup également à tous ceux qui j'ai fait des soins, des guidances, des déblocages émotionnels aussi, parce que j'en ai de plus en plus. Je vous ferai d'ailleurs des petites vidéos à ce sujet, sur l'importance des déblocages émotionnels, parce que ça a déjà bougé beaucoup de personnes et transformé déjà. Il y a beaucoup de choses qui se sont transformées, c'est assez instantané et j'ai déjà eu des super retours de cette semaine. Donc je suis vraiment très contente pour vous de voir la transformation et l'action. Voilà, donc enfin vous allez pouvoir, ça ouvre vraiment des nouvelles portes et vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose. Donc c'est super, donc merci vraiment à vous tous voilà, pour me faire confiance déjà dans les soins avec moi. Un grand merci, merci pour tous vos petits messages que vous m'envoyez, vous êtes trop mignons, je vous assure, vous m'envoyez trop des petits messages. Alors essayez par contre de regrouper tout par mail à un seul endroit, parce que je pense que je dois louper certains messages entre les SMS, entre le mail, Messenger, voilà, sur mon site, Facebook, je dois en louper. Hein. Donc si vous pouvez essayer de vous concentrer par mail, bon, un petit texto encore, mais voilà, c'est sûr que je puisse vous répondre aussi, parce que j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. J'essaye, alors il y a certaines personnes où je ne peux pas non plus répondre à tout le monde. J'ai beaucoup de messages où je ne peux vraiment pas répondre à tout le monde. Il y a vraiment des questions, s'il y a vraiment des questions qui se répètent, j'essaierai de faire un live, vraiment pour regrouper. Alors si vous avez des questions où je sais pas, à laquelle je n'ai pas encore répondu, n'hésitez pas, moi je prends note, voilà, je prends note de tout ce que vous me dites et j'essaierai de le regrouper et de faire un live. Voilà, pour vous expliquer à vous tous, comme ça bah, vous en profiterez tous et puis ce sera génial comme ça. Donc j'espère que vous allez bien ce bon lundi. On va regarder l'état d'esprit donc du masculin, on va savoir ce qu'il va travailler cette semaine. Des retours que j'en ai eu déjà de la semaine dernière, ça évolue énormément, les masculins, mais en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un déclic, waouh, c'est vous avancez, mais c'est génial. Hein. Moi, en consultation cette semaine, j'ai des masculins qui sont en plein éveil, qui ont envie de changer les choses, qui ont envie d'avancer, qui... Ça chamboule, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, ça chamboule, mais y a, ça y est, il y a un pas qui est franchi, quoi. Donc on va voir, j'ai déjà tiré les cartes, on va les découvrir ensemble, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un peu de temps, mais il y a un avancement, hein. On sent que le printemps arrive, là ça commence à être, ça va s'éclore. Allez, on y va, j'ai commencé avec l'oracle de les murmures de Ganesh, j'aime bien, longtemps que j'avais pas pris cet oracle, et puis là j'étais poussée à le prendre aujourd'hui, donc on va regarder avec Ganesh. Alors... Ganesh, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, j'ai trois cartes. Ganesh. Ok, je vous montre les cartes comme ça parce qu'on ne voit pas très bien sur mon bureau. Puis avec la lumière, c'est pas terrible. Alors, l'évolution énergétique. Ah bah oui, voilà. Les ressources et le changement de conduite. Ok. Alors, pour cette semaine, alors cette vidéo ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, je le dis à chaque fois, tout dépend où vous en êtes dans votre parcours, hein, tout le monde n'est pas en début, milieu ou fin de parcours, donc je rappelle juste que c'est à vous de vous situer, si vous arrivez à peu près à vous situer, c'est pas toujours évident sur le parcours, mais voilà, essayez de vous situer, si ça vous parle pas, ben, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Et il n'y a rien de grave, hein. Y a plein d'autres chaînes sur YouTube, sur les flammes jumelles qui peut-être vous parleront, voilà, tout dépend où vous en êtes dans le parcours. Donc ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas, je le répète tout le temps, prenez uniquement ce qui vous vibre, voilà, ce qui vous appartient. Et certainement si vous regardez cette vidéo, même si vous n'êtes pas flamme jumelle, ça peut, il y a peut-être certainement un message pour vous. Voilà, on y va. Alors, donc l'évolution énergétique, bah là on me dit vraiment avec cette carte, c'est ça, c'est que le masculin, on est sur une carte 5 hein, en plus, donc une carte vraiment de changement. Il y a un masculin là qui est en plein éveil et qui est
Je me dis qu'il a repris vraiment de l'énergie, qu'il a vraiment augmenté son taux vibratoire hein, sur ces derniers temps. Et là, qu'il y a un regain d'énergie et qu'il a envie justement, là on me parle vraiment d'action, quoi, un masculin qui a vraiment envie de maintenant mettre les choses dans la matière, qui a envie de comment on me dit, qui est debout là, et ça y est, qui a repris une certaine... Il y a une certaine prestance, là on lui dit voilà, il est fier de lui, il est en train d'observer tout ce qui se passe autour de lui. Il a vraiment, ça y est, il a repris un regain d'énergie. Mais en même temps, comme ces dernières semaines, il s'est débarrassé, on avait eu aussi de tout ce qui était plus bon dans sa vie. Cher masculin, bien, bah ça lui a évidemment permis d'augmenter son taux vibratoire. Donc évidemment, d'être dans une meilleure santé, de retrouver de l'énergie, de la force aussi, de l'assurance, de la confiance en lui-même. Après, voilà, quand on débloque quelque chose, bah ça débloque tout le reste, hein, je dirais, c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Et quand il y a un petit nœud, quand le nœud est défait, bon, bah voilà, hein, l'élastique, ça se retend, ça se détend, voilà, c'est fou, c'est plus fluide. Donc là, on a vraiment, pour moi, on me dit, un masculin qui est en train de contempler les choses et qui, en même temps, qui prend son temps, qui est en paix, qui a envie de savourer. Ça y est, il est debout, on voit, il est dans la nature, ça y est, il se met en action. On me dit vraiment, il se met en action et il savoure. Voilà, il savoure et il est. Mais on me dit quand même, il prend son temps. Il prend son temps, il est quand même observateur de tout ce qui lui arrive en ce moment dans sa nouvelle vie, parce que c'est quand même un changement qui est en train de se passer. Il est en train de se rendre compte, le masculin aujourd'hui, qu'il a un changement de vie. Voilà, il y a quelque chose qui a changé. Il s'est réveillé un matin, ah, il y a un déclic qui est, ouh, je suis plus le même. C'est exactement ça. Ce qu'on me dit, c'est hop, déclic, je suis plus le même. Bon, tant mieux, génial, ça avance. Et on retrouve, voilà, ce masculin qui est. Je sais pas, cette prestance d'avoir envie de profiter, cette innocence, on me dit aussi, le masculin, là, il a envie de retrouver cette joie de vivre, cette innocence, cette gaieté, ah mais en fait, je suis bien maintenant que je me suis libérée de tout ce que je voulais plus. En fait, ouais, je suis bien. J'ai envie d'apprécier aujourd'hui, maintenant, qui je suis. Voilà, il y a aussi beaucoup de, on me dit qui je suis. On a l'impression qu'il se découvre. Voilà, on a l'impression qu'on a un masculin là, qui est en train de se découvrir de qui il est réellement et qu'il l'accepte. Ah, je suis comme ça, en fait. Ah ouais, quand je quitte tout ce qui va pas, l'entourage qui va pas, des situations. Bah, ah ben bah, en fait, c'est moi, je suis comme ça. Mais c'est pas si mal, en fait. Ben ouais, en fait, c'est pas si mal. J'aime bien, en fait, comment je suis. C'est vraiment ce qu'on me dit. Ça y est, je me regarde dans le miroir. Mais ouais, j'aime bien, en fait, qui je suis aujourd'hui. Je suis. Ah, c'est ça d'être soi-même. C'est ça d'être soi-même. C'est ça. Elle est top, cette carte, quand même, non? Elle est top. Donc, on est en pleine évolution par rapport à ça. Un grand changement. Mais là où c'est bien, c'est vraiment, je ressens, c'est que le masculin l'accepte et en plus a envie de continuer à avancer vers ce nouvel élan. Voilà. Ensuite, on a bah, les ressources. Ça va vraiment dans la continuité. Comme le masculin a lâché tout ce qui n'allait plus, aujourd'hui, bah, il a l'impression, en fait, avec cette énergie qu'il a retrouvée, d'avoir l'abondance, en fait, qui arrive sur lui. Voilà. Donc là, on a un masculin, vous voyez, on me dit la coupe est pleine, mais la coupe est pleine de bonnes choses, de bonnes ressources. Justement, il peut puiser à l'intérieur de lui aussi les bonnes ressources, les belles choses qu'il a en lui. Hein, cette évolution énergétique, cette transformation, justement, lui a permis d'aller chercher, d'aller puiser les bonnes ressources qu'il avait à l'intérieur de lui pour pouvoir les mettre en valeur, voilà, dans la vraie vie, dans la matière. Donc là, on est vraiment en train de descendre les choses dans la matière. On a vu que le masculin s'élevait vraiment de manière spirituelle, avait vraiment un éveil, une intuition qui s'ouvrait sur ces dernières semaines. Et bah, justement, cette ouverture de cette intuition, cette guidance, cette prise de conscience et cette validation avec lui-même fait qu'aujourd'hui, il a donc justement augmenté ce taux vibratoire et lui permet aujourd'hui de mettre ses ressources en avant pour savoir, c'est ça, qui je suis réellement. Je disais, qui je suis réellement, mais c'est ça, je suis ce masculin, je suis ça. Et aujourd'hui, je suis dans l'appréciation de tout ça. Là, on voit bien dans la main, il a mangé, il a envie de savourer tout ça, toute cette abondance en fait qu'il reçoit, toute cette ressource. Et on est sur une carte 7. Donc c'est ce que je disais, on est vraiment grâce à cet éveil spirituel, le fait qu'il est vraiment lâché prise aussi, on me dit, par rapport à... De toute façon, on est obligé de lâcher beaucoup de choses dans sa vie ces derniers temps. Mais se lâcher prise, de toute façon, quand il y a eu un trop-plein, au bout d'un moment, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, il lâche, quoi.
ce lâcher prise a permis justement de vraiment conscientiser les choses, de s'intérioriser. On a eu un moment où le masculin était beaucoup en méditation, en intériorisation, en retrait affectif. Il y avait du retrait, il y avait un besoin de s'isoler, il y avait un besoin de, voilà, d'être seul, pour conscientiser tout ça. Là, je ressens pas ça. On va voir, je ressens pas ça pour cette semaine. Je ressens vraiment un masculin qui a tellement conscientisé qu'il a envie d'y aller, quoi. Voilà, qui a envie d'y aller, qui a envie de poser les choses dans la matière. Mais, alors, on me parle pas encore de l'entourage. Là, on me parle pas encore. Il a pas envie non plus de crier sur tous les toits. Ouais, salut, c'est moi. Je suis un nouveau moi, pas du tout. Hein. Là, c'est plutôt par rapport à lui. Je sens vraiment un masculin qui prend conscience, de cette évolution, mais de cette quête en fait un peu personnelle, de se dire. Ça y est, je suis fière de moi. Il intériorise en fait tout ce travail qu'il a fait ces derniers temps et de dire, ça y est, ouais, c'est vrai, ça y est, c'est moi. Ça, je suis ça. Oh, je suis ça. C'est un peu, oh, je me réveille, je suis ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est ça, je le ressens vraiment comme ça. Et là, du coup, bah, il dit rien en fait. Il dit rien. Il prend, il se nourrit justement de tout ça. Il est dans le, voilà, j'absorbe tout ça. C'est un peu nouveau pour moi. Mais purée, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bien, quoi. D'être soi-même, c'est topissime, quoi. Donc, je ressens vraiment ça. Cette contemplation, et puis il est bien, regardez, il est stable, il est posé, là en fait il y a moins de stress, bah ouais, il s'est débarrassé de tout ce qui était plus bon, le nettoyage le plus gros il a été fait quand même là aujourd'hui, donc il savoure, voilà, je suis ce masculin. Top. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le changement de conduite, bah voilà, c'est ça, ce masculin, il a pris conscience de beaucoup de choses et aujourd'hui, vous voyez, les montagnes elles sont derrière, donc le plus dur est passé, on me dit, voilà, les douleurs sont derrière, il ne voulait plus, hein, de toute façon depuis longtemps tout ça, donc les douleurs sont derrière, le passé est derrière, les difficultés, les épreuves sont derrière, et là aujourd'hui il est prêt à y aller, voilà, il est prêt à aller dans sa mission de vie, il est bien, hein, il est sur son trône là, il est tranquille, pour moi, il n'est pas stressé, il a envie d'aller vers son but, il sait qu'il a un but où il doit aller. Donc il y va et on me dit, voilà, il a l'énergie aujourd'hui pour y aller. Il a l'énergie, il a les ressources pour aller vers sa mission d'âme, vers qui il est réellement, déjà pour se trouver lui-même. Il y va et du coup, voilà, il va vers son but, il se met en action, il va vers son but. Donc là, on a un masculin qui est vraiment dans la prise de décision de changer les choses. On était sur une carte 5 là, avec l'évolution énergétique, donc une carte de changement. Et là, on est encore sur le changement, donc changement de conduite, 4 et 1, 5. Hein. Donc on est vraiment sur une carte de transformation, de changement pour le masculin qui a vraiment pris conscience et qui a vraiment... il y a énormément de choses qui se sont réveillées. Génial. Ensuite, j'ai pris l'oracle du chemin pavé d'or. Alors, la montagne de Jade, le guerrier inspiré, la chance. Super. Alors, la montagne de Jade, voilà, je vous les montre comme ça. Alors là, cette carte, elle me parle vraiment de guérison. Vous voyez, il y a énormément de vert. Le vert, donc couleur de la guérison. Là, on me dit que le masculin, ça y est, il est prêt en fait au changement, il a guéri de toutes ses blessures, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus, je sens de la légèreté, on n'est plus dans des émotions de tristesse, on n'est plus dans des émotions de pénitence, on n'est plus dans des émotions dures avec le sac à dos, là, avec les pierres là, qui se trimbalaient là, depuis un moment, ça y est, il y a beaucoup de choses qui ont été balayées, là on a un masculin qui revit, qui respire, qui est comblé de ressources, mais de bonnes choses. C'est ça aujourd'hui, c'est pour ça qu'il peut avancer, c'est pour ça qu'il peut aller ce changement de conduite et qu'il a retrouvé ce taux, qu'il a augmenté son taux vibratoire, qu'il a retrouvé cette énergie. C'est parce qu'en fait, il a les bonnes ressources. Aujourd'hui, voilà, les difficultés, les épreuves, ça, c'était des mauvaises ressources. Et il se nourrissait auparavant de ça. Parce qu'il avait l'impression que... ces personnes qui étaient pas bonnes pour lui, toutes les situations, un travail, voilà, tout ce qui n'était pas bon pour lui, ça, il se nourrissait de ça, il avait l'impression qu'il pouvait s'en sortir avec ça. Sauf que non, il se comblait en fait avec des choses qui n'étaient pas bonnes, donc avec des choses qui le nourrissaient mal, donc qui lui faisaient baisser son taux vibratoire, et puis il n'était pas lui-même surtout, voilà, il avait des masques, il n'était pas lui-même, voilà, et aujourd'hui on me dit, il a vraiment tombé les masques. Voilà, les masques sont vraiment tombés.
Il s'en rend compte en plus, il le sait. C'est nouveau pour lui, mais il s'en rend compte, il le sait. Et là, du coup, voilà, on est la montagne de Jade, mais on est dans une phase de guérison, on est dans une phase. Alors, il y a des émotions, mais c'est plus des émotions d'épreuve, c'est des émotions. Voilà, c'est de la contemplation, c'est de la joie, c'est une innocence retrouvée, c'est des émotions positives, c'est je revis, voilà, je revis. On dit là, le masculin, il est en train de réapprendre à vivre, tout simplement, à revivre. C'est une renaissance en ce moment pour lui, hein, c'est vraiment une renaissance, il revit, voilà, il revit. C'est un nouveau moi, on dit, c'est un nouveau moi. Il se découvre, voilà, il se découvre. Et c'est léger, c'est fluide, c'est. Et derrière, avec le guerrier inspiré, c'est ça, c'est-à-dire que pour moi, elle me fait penser au changement de conduite, ça lui permet justement d'aller dans l'action. C'est que comme le masculin s'est retrouvé, il a retrouvé sa place, il ancre les choses dans la matière, il est qui il est, il se repositionne, il est prêt là justement à aller dans l'action, à aller vers sa mission. Il est ancré, il a envie d'y aller, il est inspiré aussi. Voilà, il est inspiré, guerrier inspiré, il est inspiré. Auparavant, il n'y était pas inspiré, il se cherchait, et ben là, ça y est, on a un masculin qui est dans toute sa droiture, qui est prêt à y aller, qui se dit, voilà, maintenant, mais moi, je suis guéri, et j'ai toutes les ressources en moi, et maintenant, ça y est, on y va. Voilà, la place est libre, il n'y a plus d'obstacles devant moi, j'ai un peu tout nettoyé, j'ai passé le balai, hein, tac, tac, j'ai passé le balai, la poussière, j'en veux plus, donc maintenant, qu'est-ce que je veux devant moi? C'est ça que je veux aujourd'hui. C'est la chance dans ma vie, dans tous les domaines, la chance avec la féminine, la chance avec moi-même. Alors, j'ai pas beaucoup, je ressens pas trop la féminine à mon tirage, on va voir après, mais je ressens pas trop la féminine. Là, j'ai vraiment l'impression que ça va parler aux masculins qui sont en pleine, qui ont fait un gros travail d'éveil et là, qui sont en pleine conscientisation. Et j'ai vraiment un regard personnel en fait là sur le masculin, vraiment un regard d'intériorisation personnelle, d'une découverte personnelle, voilà, une découverte de qui je suis, voilà, une réalisation de qui je suis. C'est vraiment ça que je ressens pour l'énergie du masculin sur ce tirage, hein, cette semaine. Et là, avec la chance, c'est ça. Il voit en fait que bah, c'est ça, la chance, c'est avec les ressources, l'abondance arrive dans ma vie, les bonnes choses arrivent dans ma vie. Voilà, là c'est tout coloré, c'est beau, c'est tranquille, voilà, tout arrive, tout va arriver, et je fais confiance, vous voyez. Là, vous voyez hein, tout ce qu'elle porte sur sa tête, la femme, on a l'impression que c'est lourd, que c'est lourd, et pas du tout en fait, c'est léger, on sent même pas le poids, tellement c'est beau, tellement voilà, c'est plein d'éveil, c'est guéri, c'est fluide, c'est pas lourd, on est dans la. Voilà, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de saisir cette chance, on a envie de saisir cette opportunité qu'on offre justement au masculin. Là, la conscientisation, ça y est, il a conscientisé le masculin. Maintenant, il a envie d'ouvrir cette porte. On me dit, voilà, il a envie d'ouvrir cette porte chance, pour accéder à l'abondance dans sa vie. Voilà, tout simplement. Il a envie de rayonner, il a envie de toutes ses couleurs. Et ça y est, il va y aller, quoi. Il y va, il est prêt. Il a conscientisé, maintenant, ça y est, il y va, il est prêt. Il est son propre guerrier. C'est top. Bah, dis donc, l'évolution des masculins, moi, félicite, hein, parce que franchement, ça évolue et c'est génial. On continue. Après, qu'est-ce que j'ai pris comme oracle? J'ai pris. C'était l'oracle, la sagesse de l'oracle. Alors, j'ai eu deux. Alors, lait et miel et yang. Bah ouais, ça continue bien. Regardez, lait et miel, on est vraiment sur un masculin qui a envie, je vous dis, de profiter de la vie pleinement. Avec ce petit éléphant là qui est dans son bain de lait, donc qui a envie de. Bah, c'est de la légèreté, c'est de l'innocence. Et voilà, un masculin qui a envie de profiter de la vie, qui a envie de. C'est ça, on parle d'abondance encore, qui a envie de prendre toute l'abondance, voilà, tout ce qu'on lui offre, il prend, c'est des douceurs avec le miel, le lait. J'ai envie de douceur, j'apprécie cette nouvelle vie. C'est un petit éléphanteau, donc c'est nouveau, on dit encore, voilà, c'est première étape du déclic, oh, c'est nouveau, c'est super, et puis qu'est-ce que c'est agréable en fait. Voilà, le masculin, je vous dis, j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'il a tellement pris conscience de tout ça que là, il a l'impression que c'est un petit enfant. J'ai l'impression qu'il se découvre, voilà, ah, je suis comme ça, c'est génial. Donc voilà, bah, il clapote, hein, il clapote, là, il clapote un peu dans sa piscine, dans les. Voilà, en fait, c'est cool, c'est bien. Puis voilà, avec l'arc-en-ciel, voilà, il y a le bonheur, c'est éclairé. On a un masculin qui est aligné aussi.
qui est alignée et qui a suivi aussi beaucoup son intuition. Là, on voit aussi, il y a la protection, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a la protection. Voilà, on dit, il était temps, quoi, en fait, que le masculin arrive à conscientiser tout ça. Mais on a un masculin tout neuf, là, hein, qui est en pleine harmonie de lui-même. Voilà. Et ensuite, on a le yang. Bah, donc, le yang, hein, on a le masculin qui a envie, donc, du coup, bah, c'est ce que je disais, même ça me fait penser à cette carte là avec le guerrier inspiré, c'est-à-dire c'est une carte d'action, une carte d'ouverture, une carte, voilà, le feu, l'envie de mettre tout en action, de faire tout péter, on me dit, c'est-à-dire que ça y est, maintenant que j'ai compris, bah, je vais y aller, quoi. Je vais y aller, je vais aller en avant, hein. J'ai le changement de conduite, voilà, j'y vais. Donc j'ouvre mes mains vers cette nouvelle vie, vers ce nouveau chemin qui s'offre à moi, et ça y est, j'ai envie de matérialiser les choses. J'ai compris, voilà. J'ai compris tout ce qu'il y avait en moi, en fait, maintenant j'ai envie de ce nouveau départ. On me dit, voilà, j'ai envie de le prendre, ce nouveau chemin, d'accéder à ce nouveau départ. J'ai envie. Il est prêt. Voilà, là il est prêt. Il est prêt. On me parle beaucoup de lâcher prise aussi. Hein, mais il est prêt, il a lâché prise, il a toutes les ressources en lui, il retrouve un regain d'énergie, il retrouve. Voilà, là, il y a moins de fatigue, il y a moins de soucis, il porte moins de choses sur son dos, il y a moins de fardeau, on me dit, voilà, il y a moins de lourdeur. Du coup, ben voilà, hein, quand le masculin retrouve de la légèreté, automatiquement, ben, ouf, allez, j'ai envie, j'y vais, oh, il n'y a plus rien sur mon chemin, c'est super. Bon, ben, génial. Allez, on continue parce qu'il y a encore quelques cartes. Avec la triade, alors, j'ai la carte de la méditation, voilà. Donc, on a un masculin qui est encore en train de méditer les choses, donc, qui prend son temps, là, on me dit aussi, on parle plus de temps avec la méditation. On me parle d'appréciation, plus avec cette carte-là, d'appréciation, la méditation dans le sens, voilà, j'apprécie les choses, je conscientise mon évolution, je conscientise par les étapes par lesquelles je suis passée. Derrière, j'ai la réussite, ben voilà, la réussite, et après, j'ai quoi? Le désert. Ok, d'accord. Alors, la réussite et le désert, ben, c'est ça. En fait, c'est la conscientisation des choses de ces dernières semaines, hein, du masculin, cette intériorisation, c'est ce qu'on dirait qu'il a eu aujourd'hui, le mène, ben, à la réussite, donc le mène à l'abondance, voilà, le mène à la réussite de tout ce qu'il souhaite aujourd'hui dans sa vie. Hein, et voilà, il y a la petite médaille, hein, ça y est, il y a sa petite médaille. Il est fier aussi de ce qu'il est devenu, il est fier. Pourquoi? Bah parce qu'aussi, il a fait table rase aussi de beaucoup de choses. On me dit, il a nettoyé, hein, c'était ça, il a nettoyé ces dernières semaines tout ce qui se passait dans sa vie qui n'allait pas bien pour rayonner, voilà, pour être là le guerrier de lumière qu'on a vu tout à l'heure. Hein, bah, je dis le guerrier inspiré, vous voyez, mais moi je dis le guerrier de lumière. C'est ça, c'est le guerrier de lumière, c'est-à-dire qu'il est là, c'est le grand soleil, il a fait table rase tout ce qui était plus bon dans sa vie. Aujourd'hui, c'est un guerrier donc inspiré, mais aussi donc de lumière. Il rayonne, voilà, il a envie de rayonner. Le masculin, je sens vraiment, il a envie de réussir tout simplement. Parce qu'il s'est dit quand même avec tout ce et travers par lesquels je suis passée, hein, depuis déjà pas mal de temps, là ça y est, c'est bon, quoi. Là j'ai envie juste de rayonner, j'ai envie de réussir ma vie. J'ai plus d'obstacles, j'ai tout enlevé, donc qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui vous en empêche, les masculins? Bah rien, rien. Et en plus, vous avez retrouvé de la patate, de l'énergie. Et vous voulez l'abondance dans votre vie. Vous voulez mettre les choses en action. Donc, génial. Top. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, avec mon oracle, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, l'éveil spirituel et le déplacement. C'est ça. Voilà, l'éveil spirituel et le déplacement. Bah, c'est exactement ça. Le déplacement, pour moi, c'est ça. C'est le changement de conduite. Hein. On est dans les mêmes cartes. Le masculin, maintenant qu'il s'est éveillé, qu'il a conscientisé qui il était réellement, il a pris conscience, il a évolué, il est dans l'illumination, on me dit, de lui-même, hein, avec la carte aussi du soleil, on me dit, là, il est dans l'illumination de lui-même, il a suivi sa guidance, il a compris qu'il avait de l'intuition, donc il s'est tellement éveillé spirituellement qu'aujourd'hui, il est prêt à faire, avec le déplacement, on me dit, il est prêt à faire ce nouveau voyage, il est prêt à faire cette nouvelle traversée et prendre ce nouveau départ. Voilà. Là, on me dit là. Alors, ok, je continue avec ça. Alors, donc là, j'ai trois cartes encore. Un petit enfant, l'espoir grand et l'attente. Oups. Un petit enfant. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'espoir et l'attente. Ça rejoint exactement les autres cartes, en fait. Le petit enfant, bah, c'est ça, c'est ce qu'on disait, il retrouve, hein, une naïveté, une créativité. Là, le masculin, il a envie d'être un petit enfant. C'est comme l'éléphanto, là, je disais, hein, c'est
s'éclate un peu là dans son petit bassin de douceur. C'est ça, donc comme un petit enfant qui vient d'avoir ses nouveaux jouets. Oh là là, je suis super content, je m'éclate, il n'y a plus de soucis, il y a un lâcher-prise. Voilà, je suis redevenue quelqu'un de joyeux et ça a fait du bien. Et ça fait du bien, on me dit. Ça fait du bien de se retrouver sans stress, avec un poids lourd en moins, avec la légèreté. Voilà, et là. L'espoir, mais du coup voilà, il est plein d'espoir pour sa vie, il est plein d'espoir pour avancer. On me reparle encore que les lunes, hein, les lunaisons, à chaque lunaison de toute façon fait travailler beaucoup, hein, le masculin. Là avec l'eau, là on me parle beaucoup aussi des émotions, mais pas d'émotions négatives justement, on me parle d'intuition, cet éveil spirituel là qui permet le nouveau départ, hein, l'éveil spirituel avec les lunes qui sont vraiment dans l'intuition. On a un masculin maintenant qui arrive à écouter sa guidance, hein, et du coup c'est beaucoup plus fluide. Alors il y a beaucoup de bleu là sur cette carte, on nous dit aussi le bleu aussi c'est le chakra de la gorge aussi, donc c'est la communication, mais ça va être la communication à l'extérieur, mais surtout la communication avec lui-même, hein. C'est surtout ça, le masculin arrive à se comprendre aujourd'hui, arrive à communiquer avec lui-même, arrive à se dire voilà, je suis aujourd'hui ce masculin et je suis fière de qui je suis. Donc on me parle vraiment là d'intériorisation, de communication avec soi, et c'est fluide, c'est léger, c'est apaisant, il y a vraiment plus de lourdeur là en tout cas là sur ce tirage, c'est très léger. Et la carte de l'attente, mais c'est ça, on me dit là c'est un masculin aussi qui prend son temps pour faire les choses. Voilà, là elle me parle de ça, pour prendre ce nouveau départ. On me dit aussi ça a été long, l'attente a été longue justement auparavant. Voilà, il y a eu beaucoup de difficultés, les épreuves, ça a été long, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça s'allège, quoi. Le petit enfant, voilà, a permis un allègement total, a permis de retrouver un espoir, et cette attente, aujourd'hui, on me dit, c'est une attente, mais en fait, on a un masculin qui est posé, qui est dans l'attente, en fait, que ça avance, mais il est son propre guerrier. De toute façon, c'est lui qui mène maintenant la barque, hein. Donc on dit c'est lui qui va gérer la situation, mais c'est pas une attente négative. Là on me parle d'attente de justement, il se pose, il conscientise, donc on est dans l'attente de... Ouais, non, c'est pas une attente statique, c'est une attente justement d'intériorisation, de conscientisation. Voilà, il y a rien de négatif du tout, d'avoir un autre regard. On me dit c'est ça, c'est... Cette petite pause là en ce moment, il lui permet d'avoir un autre regard sur lui-même. Ok, bon. J'avais deux cartes encore là que j'avais pris avec un autre oracle. Alors, on a quoi? Le lâcher prise et l'identité. Ah ben, c'est ça. Enfin, voilà. C'est ça. On a un masculin qui est en train de lâcher prise et qui est en train de, je vous disais, qui est dans son intériorité, qui lâche prise avec lui-même et qui arrive à conscientiser qui il est. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le lâcher prise, là, on me parle d'un masculin qui se concentre sur autre chose dans sa vie. Là encore, voilà, il tourne le dos au problème et là, il regarde vers l'avenir, mais il regarde aussi vers le soleil, vers ce qui rayonne, vers ça. Voilà, vous voyez, c'est désert en face, mais justement, il y a tout à construire, on me dit. Il y a tout à construire. Le masculin, il a déblayé tout ce qu'il ne voulait plus dans sa vie. Aujourd'hui, il repart à zéro, il remet le désert. Voilà, il a fait table rase, il repart à zéro. Et il y a tout à construire. Et il est debout, quoi. Il est debout, il tourne le dos aux épreuves, au passé, et il a envie d'aller vers ce nouveau chemin. Il a envie de... Il est concentré, on me dit. Il est concentré de vouloir bien faire les choses, en fait. Voilà. Il a envie, il se dit... Il apprécie, en fait là il est dans l'appréciation, ouais c'est ça, il est vraiment dans le lâcher prise cette semaine, il n'y a même pas de stratégie de comment je fais, comment je mets en place ça, non c'est, voilà, là, en fait il respire cette semaine, on a un masculin qui, je respire, je suis ce nouveau moi, je respire, j'apprécie, waouh, ça fait du bien quoi, ça fait du bien quand il n'y a plus rien, ça fait du bien d'être léger, ça fait du bien d'être un petit enfant, c'est génial. C'est génial. Et de retrouver justement son identité, d'apprécier qui l'on est, d'être dans son cœur. On me dit d'être dans son cœur. Là, je vous disais, il y a la carte de la guérison. C'est ça, la guérison aussi. Le vert, c'est le chakra du cœur. On a un masculin qui est de moins en moins dans le mental et qui est beaucoup plus dans le cœur, qui est dans l'être. Voilà, qui fait les choses avec le cœur, qui réagit plus au quart de tour. Voilà, qui est complètement lâché prise et qui découverte de soi authenticité, intégrité. Ben voilà. Tirage qui se découvre qui il est réellement et qui apprécie, qui est dans son cœur, qui apprécie, et c'est nouveau pour lui.
Voilà. Et c'est top. Je vois un masculin qui est vraiment calme, qui est vraiment en paix avec lui-même. On me dit qu'il a retrouvé une paix intérieure vraiment avec lui-même et qui est vraiment heureux qui est étonné même, en fait. On me dit qu'il est étonné de se découvrir, qu'un jour, il aurait pu découvrir, en fait, qu'il était comme ça. Voilà, qu'on pouvait être soi. Voilà, sans les autres, sans plus rien autour. Juste soi, juste être. Voilà, être, avec un E majuscule, être. Vraiment ça, de s'engager avec soi-même, de prendre des décisions avec soi-même et qu'en fait, voilà, on est notre propre créateur de tout ce qu'on veut dans notre vie, on est responsable de tout. Et voilà, quand il n'y a plus de masque, justement, tout ça, ça peut être, ça ressort, c'est mis en valeur. Donc, notre véritable être, notre véritable identité. Et ça, le masculin est vraiment en train de le conscientiser. Je suis ça, je suis. Je ne suis plus dans l'avoir, le besoin d'avoir dans l'extérieur aujourd'hui. Je suis là. C'est très fort, hein? Je ne sais pas comment vous envoyez ça, mais je vous assure que ce qu'on m'envoie, c'est... Ouh, j'ai un masculin, ça sort. Ça sort du cœur, c'est trop beau. C'est trop beau. Ben, il me reste deux cartes de l'oracle, toi et moi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, j'ai le jeune homme superficiel et l'homme. Le jeune homme superficiel, l'homme. Voilà. On a un masculin qui était superficiel, qui avait des masques des semaines d'avant, et aujourd'hui qui devient un homme. C'est top, je trouve, pour finir le tirage. J'adore. Voilà, cette superficialité, en fait, s'est transformée en homme. Voilà, ce masculin qui n'était pas lui-même, qui était ces derniers mois, ces dernières semaines, qui était rempli encore de masques, qui était dans l'ego, qui avait besoin encore de se raccrocher à des addictions, à des personnes toxiques, à un travail toxique, à de la famille, à plein de choses, tout ce qui était toxique autour de lui, des addictions. Aujourd'hui, il a tellement travaillé sur lui. Bon, la source l'a beaucoup aidé, l'a beaucoup poussé, l'a beaucoup mis dans ses retranchements. Il lui a fait vivre vraiment beaucoup d'épreuves ces derniers mois pour vraiment qu'il plonge, mais vraiment qu'il plonge, pour vraiment qu'il rase tout. Voilà. Et aujourd'hui, il a réussi ça. Il a réussi ce masculin. Voilà. Aujourd'hui, le fait d'avoir tout enlevé sur son chemin, les obstacles, le fait d'avoir tout viré autour de lui, on me dit tout ce qui était plus bon pour lui, parce qu'il était superficiel, il n'était pas lui-même, il n'était pas dans sa propre vérité, pas du tout, pas du tout. Mais il a tellement médité ces dernières semaines, il a tellement conscientisé, il a réussi en plus à faire tout ça, il a tout balayé, ça lui a redonné espoir, ça lui a redonné de l'énergie, voilà, ça lui a redonné de la force. Pour passer à l'action. Du coup, aujourd'hui, il a les ressources en lui. Toute l'abondance arrive vers lui pour être, voilà, le véritable masculin, qui il est. Ça, c'est, voilà, fini. C'est ça aujourd'hui qu'il est. Il est le réel masculin. Il est lui-même. Vous félicite, masculin, vraiment du fond du cœur. Je suis très contente. C'est une évolution cette semaine, hein. Il y a un cap qui a été franchi, c'est juste géantissime. Bah écoutez, je suis très contente de ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour promouvoir la chaîne, n'hésitez pas à partager si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'un déblocage émotionnel. N'hésitez pas à aller sur mon site internet où vous allez avoir toutes les informations au monde de Maëlle. Sinon, envoyez-moi un petit mail et puis je répondrai à toutes vos questions pour savoir voilà, quel soin serait le mieux adapté pour vous. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite à tous, chers masculins, une très bonne semaine. En tout cas, encore félicitations. Ça travaille dur, ça avance dur et en tout cas, gardez confiance en vous, vous êtes vraiment sur le bon chemin et en tout cas vous évoluez vraiment, continuez voilà, oui, à avoir confiance en vous et
à laisser toutes les épreuves derrière et continuer juste d'être voilà, ce petit enfant, ce petit enfant. C'est ça qui vous a fait faire, vous allez rayonner, vous allez lâcher prise, vous allez rayonner et voilà, la réussite est là. Donc, pas d'inquiétude, vous êtes voilà, sur le bon chemin en tout cas. Je vous remercie à tous, je vous embrasse fort et je vous retrouve tout de suite pour le tirage de la féminine. À tout de suite.